la première webinaire de la semaine de l'évolution professionnelle qui a lieu du 12 au 16 octobre 2020, organisée par l'APEC et le réseau CIBC. Bonjour. Non. Oui. Avant de commencer, pour le bon déroulement de cette webinaire, si c'est possible de couper vos caméras et micros. Pour poser des questions, vous avez le chat en bas de votre page. Donc, pour poser toutes vos questions, nous y répondrons en fin de webinaire. Quelques mots sur la semaine de l'évolution professionnelle. Donc, c'est un événement 100% digital et gratuit, accessible à tous. La semaine de l'évolution, c'est plus de 60 webinaires thématiques avec des thématiques différentes et qui se déroule du 12 au 16 octobre 2020. Pour cette première webinaire, le thème de cette webinaire est « Je démissionne pour changer de vie » où on fera un point sur le dispositif démissionnaire qui est destiné à toute personne qui ont un souhait de changement professionnel, qui ont un projet de formation ou de création et reprise d'entreprise. Pour vous présenter cette webinaire sur le thème de la démission, donc elle vous sera présentée par moi, donc Valenza Ludovic, manager de service en conseil en évolution professionnelle pour le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je m'appelle Christelle Chaudron, je suis responsable territoriale de transition pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Christelle, on t'entend très mal. Ah, vous m'entendez là? Oui, on t'entend mieux. Oui. Bonjour à tous. Je répète, je m'appelle Christelle Chaudron. Je suis responsable territoriale pour le compte de Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Transition Professionnelle est un acteur majeur pour le dispositif démissionnaire. Avant de commencer, donc une petite introduction. Avant de commencer, donc une petite introduction donc sur les différents moyens de quitter son entreprise. Donc tout d'abord, le premier moyen est la démission, donc la démission classique. L'inconvénient avec la démission classique, c'est qu'il n'y a pas d'aide au retour à l'emploi. Après, il existe trois autres moyens pour quitter son entreprise, donc le licenciement, la rupture conventionnelle et la démission permettant le recours à l'allocation de retour à l'emploi. Donc cette démission-là, c'est le dispositif démissionnaire qui est actif depuis le 1er novembre 2019 et qui est destiné à toute personne, à tout salarié qui a un projet de reconversion professionnelle. Donc un projet de reconversion professionnelle, donc c'est un projet de formation ou de reconversion ou un projet de reprise et de création d'entreprise. L'intérêt du conseil en évolution professionnelle est de permettre d'étudier ces différentes pistes et différents moyens de quitter son entreprise. Concernant le dispositif démissionnaire, quelques conditions d'éligibilité, très importantes à vérifier avant de lancer toute démission. Donc déjà, c'est destiné aux salariés qui sont en poste en CDI, du fait que la démission est interdite pour les contrats en CDD. C'est aussi d'avoir un projet de création et de reprise d'entreprise ou un projet de reconversion et de formation. C'est aussi de justifier de 5 années d'activité continue. Donc, il peut avoir une tolérance calendaire d'une semaine quand il y a 2 contrats, donc un espace de 2 contrats. Et surtout, ne pas avoir démarré son entreprise ou formation et ne pas avoir démissionné avant de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Donc, voici les conditions d'éligibilité. Concernant les 5 ans d'activité continue, la date de démission considérée, c'est la date de fin de préavis et non la date d'envoi de votre lettre de démission. Alors, le dispositif démissionnaire, il est issu du décret du 5 septembre 2018
formation professionnelle. On t'entend très mal, Christelle. Alors, je vais essayer de pousser un peu plus la voix. Est-ce que comme ça, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, ça va mieux? Oui. Donc, je disais que le dispositif démissionnaire, il est issu de la loi du 5 septembre 2018 qui s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il a été ensuite précisé par décret et par arrêté en 2019 et il est mis en place à compter du 1er novembre 2019. Donc, ce dispositif est un dispositif qui s'adresse aux salariés qui souhaitent démissionner en vue de se reconvertir professionnellement, tout en pouvant bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Pour ce faire, donc plusieurs étapes doivent être mises en œuvre. On va revenir dessus. Et le dossier, donc notamment l'exposé de votre projet de reconversion ou de création de prise d'entreprise, sera ensuite étudié par une commission paritaire interprofessionnelle régionale en fonction donc, soit de votre lieu de domicile, soit de votre lieu de travail. Cette commission paritaire, donc, qui est tenue au sein des structures qui s'appellent Transition Pro en région, vous délivrera ou pas une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet suite à l'examen de votre dossier en commission. Si la commission paritaire vous octroie un avis favorable et estime que votre projet professionnel donc, a vraiment un caractère réel et sérieux, il faut savoir qu'ensuite donc, vous aurez à vous inscrire au service de Pôle emploi, mais que pour autant, ça ne vaut pas ouverture de droit automatique à l'assurance chômage, puisque c'est Pôle emploi qui va aller vérifier en fonction des justificatifs que vous fournirez, si vous avez bien les conditions d'éligibilité qui sont prévues dans le cadre de la réglementation d'assurance chômage. Bien entendu, avant de mobiliser un dispositif de ce type, il est important que vous travailliez avec l'appui du Conseil en évolution professionnelle pour envisager toutes les autres possibilités avant de quitter votre emploi. Ce qu'il faut également savoir dans le cadre du dispositif démissionnaire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un dispositif de financement. Il s'agit bien de l'étude par une commission de la viabilité de votre projet. Et pour autant, ça ne conditionne pas automatiquement l'octroi d'un financement, notamment pour une éventuelle formation que vous souhaiteriez faire dans le cadre d'une reconversion avec un projet de formation. Donc, les demandes de financement, c'est quelque chose que vous allez travailler avec également l'appui de votre conseil, du conseil en évolution professionnelle, qui se fera donc en parallèle ensuite de la démarche d'octroi du caractère réel et sérieux de votre projet. Donc voici un schéma qui vous représente les étapes et le délai du dispositif démissionnaire, donc les différents délais. La première étape est la mobilisation du conseil en évolution professionnelle. Donc c'est une étape obligatoire qui vous permet de mettre en place votre dossier afin de le présenter à Transition Pro et à la commission qui va déterminer du caractère réel et sérieux de votre projet. L'accompagnement en conseil en évolution professionnelle est très important parce que déjà, d'une, il est obligatoire. Il permet de travailler sur des points de vigilance, de vérifier votre éligibilité. Et cela aussi permet de motiver votre projet vis-à-vis de la commission. Donc, le montage de dossier se fait avec le conseiller en évolution professionnelle afin de déposer sur la plateforme de Transition Pro. Et là, la commission, donc la CEPIR, va émettre un avis, donc un caractère réel et sérieux de votre projet. Donc votre projet, c'est un projet de formation ou de reconversion ou un projet de reprise et de création d'entreprise. Une fois la décision prise par la commission, il y a un délai de 6 mois après votre fin de contrat pour vous inscrire à Pôle emploi
et un autre délai de 6 mois pour la mise en place de votre projet. En cas de refus de la commission, en cas de refus de la commission, vous pouvez émettre un recours, faire un recours à l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle pour retravailler votre projet. L'intérêt de travailler son projet avec un conseiller en évolution professionnelle, c'est vraiment la mise en place de toutes les différentes études. Donc, par exemple, pour un projet de formation, ça va être de l'ingénierie de formation où on va déterminer le meilleur financement, trouver la meilleure formation adaptée à votre projet. De même, pour la création d'entreprise, ça va être un accompagnement à la formalisation d'un business plan et aussi à la formalisation de votre projet. Il est très important de vérifier son éligibilité avant d'entamer toute démarche. Et pour rappel, donc, avant d'effectuer votre création d'entreprise, votre formation ou même de démissionner, il faut tout d'abord contacter un conseiller en évolution professionnelle. Avec le conseiller en... Avec le conseiller en évolution professionnelle, vous allez faire votre demande d'attestation du caractère réel et sérieux d'un projet. Donc attention, il existe deux dossiers. Un dossier pour le projet de reconversion formation et un dossier pour le projet création et reprise d'entreprise. Sur chaque dossier, donc par exemple pour le dossier création et reprise d'entreprise, vous allez étudier tous les différents aspects de votre projet. L'étude de marché, le prévisionnel comptable, les différents statuts juridiques. Pour les projets de formation et de reconversion, vous allez étudier les différentes formations, le marché de l'emploi, quelle formation est la plus adaptée au secteur de l'emploi, comment financer ma formation. Donc tous ces éléments-là seront étudiés à travers le dossier que vous allez choisir et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet démission-reconversion.gouv.fr. Donc, ce volet est à déposer sur votre espace de transition professionnelle. Donc, vous l'avez compris, vous avez, dans un premier temps, vous réalisez un travail avec le conseil en évolution professionnelle pour vous aider à formaliser votre projet, donc soit de reconversion, soit de création ou reprise d'entreprise. Ça se formalise par un document que vous allez déposer quand vous allez faire votre demande auprès de la commission paritaire. Cette démarche de demande donc est faite de manière complètement dématérialisée sur le site du Transition Pro de votre région. Donc vous aurez à ce moment-là plusieurs éléments à compléter pour formuler votre demande. Et une fois que votre dossier est complet, donc votre dossier passera dans un délai maximum de 2 mois auprès de la commission paritaire de la structure à laquelle vous avez déposé votre dossier. La commission qui va étudier votre dossier va aller apprécier donc le caractère réel et sérieux de votre projet. Et donc s'appuie sur plusieurs critères en fonction de la typologie du projet que vous avez présenté. Donc soit vous présentez un projet de reconversion formation, et dans ce cadre-là, il y a 4 critères qui sont examinés par la commission. Donc la cohérence, la pertinence, la connaissance par le salarié. Donc de ces 4 critères, donc la commission va étudier d'une manière globale votre projet de reconversion professionnelle. Elle va également étudier votre connaissance des caractéristiques du métier souhaité. Elle va aller regarder votre choix de formation et comment vous envisagez de financer cette formation. Et le dernier critère qui sera regardé, ce sont les perspectives d'emploi suite à la formation. Donc, ces 4 critères doivent être remplis vraiment de manière cumulative. Si un des 4 critères n'est pas rempli, la commission ne pourra pas octroyer ce caractère réel et sérieux de votre,
de votre projet. Donc, il est vraiment important de travailler en amont avec votre conseiller pour présenter un dossier le plus abouti possible pour que la commission puisse avoir tous ces éléments lors de l'examen de votre dossier. Alors, ces quatre critères pour les projets de reconversion avec une formation. Donc, dans le cadre d'un projet de reconversion, la commission va aller regarder si vous avez une réelle volonté de changer de métier ou de secteur d'activité et si vous avez bien pris en compte toutes les implications de cette reconversion sur votre situation individuelle, le fait que vous allez, en quittant votre poste, vous allez bien entendu changer de statut, peut-être retrouver dans votre future activité conditions de travail différentes qui nécessitent le développement de compétences complémentaires différentes à votre activité actuelle. Elle va également aller regarder si vous avez une bonne connaissance donc des caractéristiques du métier souhaité. L'idée étant vraiment de s'assurer que vous êtes suffisamment documenté, que vous avez suffisamment conscience des caractéristiques du métier et de la manière dont accéder au métier que vous envisagez. Sur le troisième critère, la commission ira regarder quel est le choix de la formation que sur laquelle vous avez opté dans le cadre de votre projet. Est-ce que cette formation, vous allez pouvoir la suivre? Est-ce que c'est vraiment la bonne formation par rapport au métier que vous visez? Est-ce qu'elle est utile dans le cadre de votre démarche de reconversion? Et on va aller aussi regarder si vous avez bien la possibilité de la suivre via un financeur qui va travailler avec votre conseiller en évolution professionnelle. Plusieurs solutions et plusieurs options de financement sont envisageables. Il est impératif de bien travailler ces différentes possibilités de financement pour que vous puissiez, suite à votre démission et à votre inscription à Pôle emploi, que vous puissiez ensuite mobiliser ces financements et ensuite mettre en œuvre votre projet, puisque les services ensuite de contrôle de Pôle emploi vont aller vérifier 6 mois après votre inscription si votre projet a réellement été mis en œuvre. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance qu'il faut travailler avec votre conseiller. Et le dernier critère, donc la perspective d'emploi. Donc la commission qui va examiner votre demande vont aller apprécier si vous avez une chance bien entendu, de mettre en œuvre votre projet, donc d'exercer suite à la formation que vous envisagez de suivre, d'exercer le métier. On va aller vérifier s'il y a effectivement des perspectives d'emploi à l'issue de la formation pour que vous puissiez bien mettre en œuvre votre projet. Pour les projets de création et de reprise d'entreprise, donc là, la commission va aller vérifier 3 critères. Donc, elle va aller vérifier la cohérence, la pertinence et la connaissance par le salarié des perspectives et des caractéristiques de l'activité du marché de l'entreprise à reprendre ou à créer. Donc, est-ce qu'il y a réellement un marché dans le domaine que vous visez pour une création ou une reprise d'entreprise? Elle va aller également vérifier si vous êtes suffisamment bien renseigné sur les besoins de financement et sur les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre. Et également, elle va aller vérifier si vous avez bien évalué les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.
Même principe que pour un projet de reconversion avec une formation. Donc, si un des trois critères n'est pas rempli, le caractère réel et sérieux de votre projet ne pourra pas être octroyé par la commission paritaire de transition pro. Donc, si on revient sur ces trois critères, donc ce qui est attendu, donc concernant les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché, donc elles permettent de mesurer si votre projet va être viable économiquement au regard des éléments que vous avez transmis dans votre dossier. Donc c'est notamment dans ce cadre-là que vous allez avec votre conseiller CEP que vous allez rédiger une étude de marché pour voir si il y a effectivement des perspectives qui peuvent être favorables dans le secteur que vous visez. On va prendre en compte également tous les efforts que vous avez fournis, les informations que vous avez pu recueillir, vous avez bien analysé l'offre et la demande. C'est ces éléments-là qui généralement sont repris dans le cadre de l'étude de marché, qui seront examinés par la commission paritaire de transition pro. Donc ces documents seront à joindre dans votre dossier dématérialisé sur votre espace personnel de transition pro. Le deuxième critère, donc, ça va être les besoins de financement et les ressources financières. Ça peut être traduit par la transmission dans votre dossier d'un plan de financement à 3 ans pour voir l'évolution des financements et des ressources du projet de création ou de reprise sur cette période-là et ainsi permettre à la commission de voir à moyen terme quels sont les projets financiers de votre structure, de la structure que vous envisagez de créer ou de reprendre. Concernant les moyens techniques et humains de l'entreprise, donc ça permet de mesurer si le salarié a bien cerné tous les moyens utiles au fonctionnement de l'entreprise, les équipements, le matériel nécessaire qui doivent être identifiés et éventuellement si votre projet va à terme inclure aussi le recrutement de salariés. Donc, il faudra également le préciser à ce moment-là. Donc, ces éléments-là sont pris en compte et donc vont être traduits par des documents que vous allez fournir dans le cadre de votre dossier. Concernant le suivi, la mise en œuvre de votre projet, donc la finalité de votre projet, donc c'est la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre se fait dans un délai de 6 mois après l'ouverture des droits à Pôle emploi. Donc la mise en œuvre est contrôlée par Pôle emploi. Donc l'attestation du caractère réel et sérieux permet de vous inscrire à Pôle emploi et de bénéficier des aides au retour à l'emploi. En cas de non-mise en œuvre de votre projet, des sanctions spécifiques donc pour tout projet qui doit être réalisé en France ou dans les pays frontaliers, une radiation de 4 mois de vos droits avec une suppression des 4 mois d'allocation. Donc, très important, la mise en œuvre de votre projet pour bénéficier de vos aides au retour à l'emploi. Si vous êtes sanctionné pour une non-mise en œuvre de votre projet, après 4 mois de suppression d'allocation, vous pourrez à nouveau bénéficier de droits en présentant vos motivations auprès de Pôle emploi. Pour revenir un petit peu sur le conseil en évolution professionnelle. Donc le conseil en évolution professionnelle, donc c'est un accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé, accessible à tous. Accessible à tous les salariés et indépendants du secteur privé. Et l'objectif est de faire le point sur sa situation professionnelle, d'établir un diagnostic, d'élaborer et de formaliser un plan d'action et de sa mise en œuvre. C'est vraiment une stratégie d'accompagnement qui se fait en plusieurs niveaux.
C'est un service en deux niveaux. Donc, un premier niveau de personnalisé d'accompagnement où on établit une analyse partagée de situation. Et l'objectif du premier conseil, du premier niveau, est vraiment d'établir un diagnostic, un état des lieux, afin de déterminer votre demande et votre objectif. Dans un second niveau, qui se décompose en deux étapes, donc un niveau de niveau projet. Donc le premier niveau est la formalisation d'un projet où la finalité est d'établir un plan d'action. Donc par exemple pour un projet de formation et de reconversion, c'est vraiment de l'ingénierie de formation où on va déterminer une formation, un organisme de formation, le coût et comment financer cette formation. Par exemple pour un projet de création d'entreprise, c'est un accompagnement à la réalisation d'un business plan. Et pour le dispositif démissionnaire, c'est un accompagnement jusqu'au dépôt de votre demande d'attestation de caractère réel et sérieux. Le deuxième niveau de cette deuxième étape, c'est un appui à la mise en œuvre de votre projet. Donc, c'est pour vraiment la mise en œuvre de votre projet ou un rôle de soutien. Le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous orienter, vous informer vers les bons interlocuteurs, vers des interlocuteurs experts en fonction de votre projet. Le conseil en évolution professionnelle donc, est destiné à tous les salariés du secteur privé, aussi bien en temps plein qu'en temps partiel, peu importe leur statut en CDD, en CDI. C'est destiné aussi aux indépendants qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur. En effet, donc, il existe plusieurs opérateurs en fonction des différents profils. Donc, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, l'opérateur en conseil en évolution professionnelle sera Pôle emploi. Pour les personnes en situation de handicap, Cap emploi, et pour les moins de 26 ans, les missions locales. En cas de changement de statut pendant l'accompagnement, donc en entrée en conseil en évolution professionnelle, vous êtes actif et en cours d'accompagnement, vous êtes par exemple demandeur d'emploi, c'est à vous de choisir quel opérateur peut vous accompagner, sachant qu'un seul est habilité à vous accompagner. Pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc la prise de rendez-vous peut se faire par le biais du téléphone, donc en appelant le 09 72 01 02 03, donc un numéro unique et non surtaxé, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Vous pouvez aussi prendre contact via le site internet mon-cep.org dans la partie « Je m'informe et je prends rendez-vous » afin d'être appelé par un conseiller. La prise de rendez-vous donc, se fait toute la semaine et le samedi matin. Donc, merci de votre attention. Donc, le replay sera disponible sur la page internet www.semaine-evolution-professionnelle.fr. Vous pourrez revisionner cette webinaire. Merci pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat. Donc, c'est la petite bulle de conversation en bas de votre écran. Et nous y répondrons.